Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Et aujourd'hui, c'est une spéciale pique-nique à l'occasion de la fête des fruits et des légumes frais. Tout à l'heure, vous avez vu ma première recette, une délicieuse tarte sans pâte avec des légumes du soleil. Donc si vous n'avez pas vu encore cette recette, n'hésitez pas à aller tout de suite dans le petit i. C'était la recette salée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le dessert. On va manger plein de choses sucrées. Et on va prendre pour base un melon, il y aura des fraises, des framboises, des myrtilles, de l'abricot, des nectarines, bref, on va franchement se régaler et épater tous nos invités. C'est parti! Voici les ingrédients dont vous aurez besoin: des abricots, des nectarines, des framboises, du melon, des myrtilles et des fraises. Et pour les ustensiles, de grands pics en bois et des cure-dents. Pour commencer, on transforme le melon en panier de part et d'autre de la partie dure, c'est-à-dire autour de la queue du melon. On va tracer l'anse du panier et on s'arrête au milieu où on trace un trait tout autour. Et une fois le trait tracé, on fera des dents. Plus qu'à trouver un couteau pointu pour découper le tracé. On enlève ensuite les pépins à l'intérieur du melon et voilà notre beau panier. Pour habiller cette création, il nous faut une jolie salade de fruits composée de fraises, de nectarines et d'abricots. Donc on coupe tout ça en tout petit et pas besoin de rajouter du sucre parce qu'à cette époque de l'année, les fruits de saison sont déjà naturellement sucrés et tellement bons comme ça. On peut aussi faire de belles brochettes de fruits ensoleillés avec en plus des fruits précédemment cités, de jolies framboises et des myrtilles. Allez, c'est parti pour la création! Et voilà le résultat. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai consolidé en bas en rajoutant des petites pâtes avec des myrtilles pour faire des petites chaussures. Alors lors de vos pique-niques, comme ça vous pouvez donner une brochette à vos invités. Vous pouvez également déguster tranquillement la petite salade de fruits qui est à l'intérieur et puis finir tous ensemble par un petit peu de melon. Et voici mes deux résultats colorés, plein de bonheur. En tout cas, je vous souhaite un bon pique-nique et surtout, bon appétit! Et voilà, j'espère que vous avez fait le plein d'idées gourmandes. Je vous rappelle que la fête des fruits et légumes frais a lieu du 16 au 25 juin partout en France. À ce titre, il va y avoir tout plein d'animations d'organiser, avec des ateliers de cuisine, des dégustations, des jeux. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à côté de chez vous, rendez-vous tout de suite sur le site www.lesfruitsetlegumesfrais.com. Sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir! Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime